reparti. On continue donc Blasphemous 2. C'est reparti. Donc on est retourné. Nouvelle zone. Alors du coup on est venu là. D'accord. Ça cachait rien du tout. Et... Bah oui, mais là... Enfin, c'est une blague. C'est... Mais non, mais... mais que c'est mal fait. Oh, quand ils t'attendent en haut des escaliers, là... Mais juste cette zone... Ouais, oh. Quand t'as le château inversé, ouais. Dans Symphony of the Night. Ben c'est vrai que t'as tout le château, mais c'est une prouesse de level design. Hein. D'ailleurs, le château de Symphony of the Night, faire marcher ta map dans deux sens, c'est incroyable. Elle fonctionne aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. C'est une masterclass. Ok, donc ça c'est fait. Un deuxième point de save et pas de trop. On est là. Alors. Il y a un endroit qu'on n'a pas fait, c'est où? Attendez. On verra plus tard. Je trouvais pas que c'était chiant dans Symphony of the Night, c'était plutôt bien amené. Nous approchons de notre rencontre avec la dame. Necesita de una última bendición. Ok. Necesito vuestro amparo para encontrar el santo óleo. Je l'ai. Con así la mentira de la señora será débil a las embestidas de mi lanza. Ok, j'ai. Je peux te donner. Oh, trop facile. Mi lanza ya brilla con el fulgor de ma lance brille déjà de l'éclat de ses huiles. Nickel. Siento que mi búsqueda llega a su fin. Nickel. Señora de las mentiras, artesana de malas sombras, sé que moráis en estas galerías, detrás okay. de espejos engañosos. Mi lanza está ahora preparada para llevaros a vuestro verdadero sepulcro. Penitente, sois libres de acompañarme o continuar en soledad. Os uniréis a mí en este enfrentamiento final. Voulez-vous m'accompagner? Bah oui, je t'accompagne. On se battra ensemble. Alors c'est ça qu'il faut s'agenouiller devant le miroir. Hein. On dit tu peux pas rater les miroirs. Bah, je crois que j'ai raté. C'est peut-être pas ça. Bah écoutez. Alors ça. Ah oui mais là je peux pas. Bah, je peux rien faire pour l'instant. Pour l'instant, celui-là, il est pas réparé. Donc j'imagine qu'il faut le réparer. Salut Julien! Comment vas-tu, l'ami? Il y a le pénible qui m'attend en haut. Je suis sûr qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Ça va être ça. Je sais pas pourquoi je le sentais bien. J'avoue, je sentais bien qu'il y avait un truc comme ça. Alors. Ah, encore. Lâche-moi. J'ai rien vu. J'ai absolument rien vu. Je ne sais pas. Ah mais ça doit être l'autre avec ses. Avec ses attaques de miasme. Ouais, c'est ça.
Du coup, le raccourci, il tombe au bon moment. J'espère qu'il y a un truc cool au bout. Hein. Obligé de me venir dessus. Allez. Hey. Oh, bouge. J'ai pas fait ça par contre. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok, ça passe. Ouh. Je sais pas trop où on va. C'est la blague de leur tomber dessus là ou... Parce que là tu peux pas l'esquiver. Là tu pouvais pas esquiver. J'en ai marre de... Ça, il me fatigue. Ok. Plein de choses. Plein de choses. Ouf. Allez, allons à gauche, à droite. On verra bien. On verra bien. Ah, c'est la fontaine. Donc là, c'est la suite. On va finir d'explorer tout ça. Et il y a tout un truc qu'on n'a pas fait. Donc ça, ça me fait un petit peu chier aussi. Ah mais... Je suis revenu là. Où est-ce que j'ai fait demi-tour? Quelqu'un pourrait m'expliquer. En plus, je pouvais descendre direct. Je sais pas trop ce que j'ai voulu prouver en faisant demi-tour, mais... C'est là que je suis pas allé. Mais si. Ah, c'est en bas. Ah oui, mais en bas, c'était bloqué. Je pouvais pas y aller. Très bien. C'était bloqué par un gros miroir. Et ben, je croyais que j'avais pas fait tous les chemins. Bah, a priori. Si. Mais non, il y a un chemin qu'on n'a pas fait. Qui est en dessous. C'est ça. Ici, on n'est pas venu. Je me disais bien qu'il y avait un truc qu'on n'avait pas fait. Par contre, la couleur est pas claire avec le fond noir. C'est pas clair. Ah, et ça rejoint cette grande salle et on n'a pas tout fait dans cette grande salle. Panthéon chérubin. Et ça s'approche, hein. Ça s'approche. Attends, faut que je retrouve la fontaine. Elle était où? C'est celle-ci, la fontaine? Ouais. Parce que les autres, on les a faites. Ok. La magie de mer, c'est pas ouf. C'est une action paradoxe. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Bah, c'est pas clair. Bon, après, j'ai pas lu ce que ça faisait non plus. Donc voilà.
Donc là, on doit être ici. Bon là on s'est bloqué. Oh, il y a un truc à récupérer. J'ai le goût d'impatience d'aller le chercher. Ça va être chiant. Ça va être chiant, il va s'accrocher au truc. Bon, ça fait de la thune, hein, mais voilà. La thune, on s'en fout un peu maintenant. Il y a rien à... Ouh. La zone est quand même grandiose. Hein. Quoi? Ok, bon, bah... What? Ne dis donc rien. Alors. Alors ça, je sais pas comment je vais faire. Ah, il faudra que j'active ça. Ok. Ok. Oh. Trop lent. Oh, trop lent. Oh, quelle angoisse. Je crois qu'il faut que je passe par là plutôt. Là, on doit pouvoir aller chercher le petit bonus là qu'on a vu. Parfait. J'ai pris 10 coups encore une fois. Ah, c'est horrible. Hein. Ça débloque le raccourci. La graine de cire, ah, qui doit être la dernière. Du coup, j'irai peut-être finir la quête. Et ah, c'est le raccourci de tout à l'heure. Ok. Ok, ok. Donc, il nous reste deux passages à faire. Et il va y avoir un truc... Ouais, c'était la salle où il y avait le miroir tout à l'heure. Dans le monde à l'endroit. Donc, je pense que... Il va y avoir un truc avec le miroir. Je pense... Commençons par la salle du haut. Donc là, ça doit être le truc avec le miroir. Ouais, c'est ça. C'est pas le boss? Non, c'est pas le boss. Quand même. N'exagérons pas, 10 minutes pour faire la zone, ça aurait été un peu rapide. Alors, qui est cette personne? Parfait, donc là doit se cacher le boss là derrière. En théorie. Donc il faut que je retourne dans le monde à l'endroit. Ça fait très Stranger Things tout ça. Ou Symphony of the Night. Mais du coup maintenant ça fait une vraie grande salle. Avec un autre passage. Ok. Tout ce qui n'était point prévu. J'ai oublié une salle. Ouais, en dessous.
Mais là, je continue. De toute façon, il faudra que je revienne pour retourner au truc à l'endroit. Donc, de toute façon, j'ai vu qu'en dessous, là, j'avais oublié une salle. Je serais revenu après, mais... Merde, je suis descendu. Non, mais... T'inquiète. Ah, je pouvais plus bouger, je sais pas pourquoi, encore une fois. Voilà. Ah, c'est pour ça que tu voulais que je vienne. Pas ça? Enveloppe cachetée. Ah, fallait juste que je reste longtemps. Ok. Là, je me doutais que c'était un truc de l'enfer. Ok. Cherchant quelques coins tranquilles où ressasser mes péchés, je trouvais un lieu sacré antique qui semblait abandonné. Une grande fosse s'ouvrait devant moi au bord de laquelle je me tins. Jusqu'à ce qu'un vent soudain monté de ce néant obscur me fasse sursauter. Cette bourrasque portait de délicats pétales de violette et annoncèrent la venue d'un cri terrible, un hurlement horrifiant qui me couvrit la peau de sueur froide. Ouais, un truc au bord du néant, mais par là-haut. Mais après... Ouais, mais non, parce qu'il y a un endroit où... Ouais, mais après, ça se débloque. C'est là-haut. Peut-être pas. Non, ça doit être ailleurs encore. C'est que ça peut être. Il y a un endroit, je sais plus où c'est. On verra plus tard en tout cas. C'est pas quelque chose qui me tient en souci. Si on l'a fait, tant mieux. Si on l'a fait pas, tant pis. Il y avait encore un truc. Vache. Bon, on monte, on monte, on monte. Bah, c'est le principe de Blasphemous, c'est que c'est jamais clair. En tous les cas, c'est toujours plus clair que dans les Souls. Hein. Oh. Les Souls, c'est incompréhensible. Même dans Hollow Knight, il n'y a rien qui a ni queue ni tête. Ok, donc ça, c'est fait. C'est là? C'est lequel? Oh, je sais plus c'est lequel le plus rapide. Ouais, le plus rapide, c'est d'aller à celui-là. Comme ça, après, je reviens ici. Les autres, ils sont vachement loin. Et d'ailleurs, on a débloqué le raccourci pour ça. Ok. Là, tous les raccourcis ont été débloqués pour ça. Cet instant. D'accord. Mais du coup, tu peux pas y aller par là. Parce que c'est pas le chemin. Tout simplement. Aussi expliquant cela du coup. Putain, ça, à travers les murs l'autre.
Et du coup, tu as le point de forêt. C'est quand même bien fichu niveau level design. Tout est bien ficelé. Oh, t'as pas d'aller-retour inutile, t'as pas de... Rien à dire. Rien à dire. Ok, voilà le boss. Je voulais aller le taper direct, j'ai pas pu. On m'a stoppé en route. Allez, c'est le boss. La dame, comme disait l'autre. Ah oui, mais la dame... La dame pas gentille, quoi. Oula. Ok. Elle va se cacher sous les trucs. Ah, ça dash pas à travers. Ah ouais, ça je m'y attendais pas. Ouf, on a eu chaud. Ah putain, ça dash pas à travers. Attendez, je peux peut-être faire un truc comme ça. Peut-être que la thune, on s'en fout. Non. Peut-être. Hein. Peut-être que genre la thune, on s'en fout un peu. Peut-être. Peut-être. Peut-être que je dis une bêtise, mais... Alors, il n'y a pas un truc x2 à l'électricité. On va mettre ça comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai le truc des résistances aux dégâts de feu. Et on va mettre le truc x3, x2 à l'élémentaire. Ouais, ça me paraît bien. Et je pourrais même mettre le x1 à l'électricité. Il est où? Il est là. Donc là, normalement... Ah, ça ralentit pas les boss. Oh, j'ai eu le temps. Je sens qu'à un moment, on aura plus le temps. Ah oui, ça fait beaucoup moins de dégâts. Bon, du coup, on va le one try. Hein. Crie quand même, c'est normal. Le cri, j'en sais rien, moi. Qui a crié? Moi, j'ai pas crié. Mais là on est surprotégé là. On est surprotégé là. Bon, mais... Oh après il n'y a plus qu'une petite barre. Ah il fait le retour. Ah, j'avais pas prévu ça. Et il fait combien d'allers-retours cet abruti? Non mais là on va le déchirer. Faut que je reste là-dessous. Il doit y avoir moyen de l'attaquer encore entre les deux trucs. Non mais on prend aucun dégât quoi. Je pense qu'on a un petit peu... Ah, faut dasher par le... Ah bah elle l'a déchiré. Elle l'a déchiré le boss. Ok. Elle est intervenue qu'une fois, l'autre. Elle l'a éclaté. Bon, bah écoutez, c'était un boss très sympa. On va dire... Ah non, mais avec les... avec le rossaire, là, on l'a déchiré. Hein. Ah ouais, il avait aucune chance. Le corps de la dame Gianopie victorieux. Ah ouais, bah j'ai vu, ouais. Son maldition et la de
Effectivement, ils ont un peu quitté le côté Souls pour aller vers le côté un peu plus Metroidvania. Effectivement, je vous l'accorde. Parce que là, le boss, on l'a éclaté. Hein. La malédiction de tout cet endroit s'enlever, ma promesse est tenue grâce à votre aide. Prenez ceci en signe de notre lien béni. Ok. Zegem de l'épine cruelle. Je me suis peut-être un peu trop protégé, j'avoue. On a peut-être un peu abusé. On a peut-être mis un petit peu trop de protection. On n'a pas élevé la difficulté là. Mais moi, en même temps, on les a trouvées ces choses, on les a gagnées, non? On l'a pas volé, hein. Bon, on a la dernière clé. Bon, écoutez, on va finir comme ça, un petit peu tranquillou. Pronto, este sarcófago de cristal se abrirá. Elle est morte dans ma partie. Ah, ah ouais, c'est l'envers. La reliquia okay. De mi lengua incorrupta y sus secretos ahora serán vuestros. Así pues, esta sombra nada más puede daros. Marcho ahora a aquel lugar que está entre la luz y ninguna parte. Ouais, bah ouais, un PNJ qui tue le boss, ouais, ça c'est pas souvent, j'avoue. Mais je trouve les quêtes bien plus intéressantes aussi dans celui-là que dans le premier. Moins cryptique, tu sais mieux ce que t'as à faire, tu comprends plus facilement que par moment, c'est même si ça reste des fois un petit peu tordu, mais bon, c'est pas mal aussi. Hein. Et dans le premier, je trouvais que c'était trop tordu, j'ai pas eu envie de retourner voir les trucs et tout, enfin c'était pas... Esta será nuestra despedida. Nos adieux, effectivement, on a les 5 colombes. Du coup... Paloma, que de la azabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. Allez. Donc faudra qu'on retourne à la tour des 5 colombes. J'imagine. Bah c'était plutôt cool. Franchement la zone était stylée. Hein. J'ai bien aimé. Il y a juste cet endroit là que j'ai pas pu faire. Mais un peu perturbé. Qu'est-ce qu'elle dit la copine? El corazón descendido acorta irrefrenablemente el tiempo de descanso entre sus estruendosos latidos y nos anuncia así el inminente nacimiento del nuevo hijo. Apurad vuestros pasos hasta su encuentro, penitente. Ah oui, 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 ouais, mais et pareil, je suis comme toi, Manu, je me souviens pas trop des quêtes du premier. Elle m'avait pas plus intéressé que ça. Si, il y a l'autre, le gros enfant là qui a une tête là, je sais plus. Il y a une espèce de gros bébé aussi. Ouais, mais j'avais pas trop aimé, ouais. Sentez-vous, penitente. Penitente. J'adore les voix espagnoles. Je les adore. Allez, madame. Enfin, elle s'en va. Ok. Oh, le boss, on s'est peut-être un petit peu trop énervé, comme je vous ai dit. Donc du coup, j'ai de la cire à donner. On a... Ah, il nous manque qu'une magie. Alors, tiens, j'ai 19 machins. Bon, alors, on va s'énerver un peu. On va compléter le tableau. Ah, ça doit le compléter. Ça le complète. Fabuleux. Fabuleux. Hop là. Par contre, je vais remettre mon resserre d'aplomb. Alors, le prix du sang dégagne. Ah, j'ai pas le truc x3 en larmes d'expiation. C'est marrant ça. Les points de martyr, on prend. On prend le x3 élémentaire, je garde parce que c'est quand même vachement bien le x3 élémentaire et des larmes d'expiation, et c'est parfait. Et il doit manquer les 2 x 3 larmes d'expiation et 3 points de martyr, je pense.
Attendez, je suis revenu à un endroit que j'ai déjà fait. Ah oui. Alors la zone était vraiment bien. J'ai rien à dire dessus. Pour le coup. On va aller donner le dernier truc de cire. C'était où? C'était là. C'est pas déjà à fond en point de martyr? Bonne question. En 34. 34 sur 40. Oh, on a fait 94% de la carte. On est pas mal. On est pas mal. On fera pas le jeu à 100%. Non, c'est au-dessus. Putain, à chaque fois, là, je me perds. Ah oui, c'est vrai qu'il faut aller par là. Hop. Pour donner la cire, c'est un peu chiant. C'est pas au-dessus. Si, je crois que c'est au-dessus. Allez. Ah, je peux pas passer dans la Odor. On peut rien lui faire. Alors, est-ce que c'était la dernière? Attendez, faut que je la fasse pousser. Alors, si je pars et que je reviens, elle a poussé. Ah, il en manque encore une? Oh, c'est la merde. Tu pouvais passer là où tu... Ah bon? J'ai pas l'impression, mais... Ah, mais ouais, du coup... Mais... Ah ouais, mais je vois ce que vous voulez dire. Faut que je fasse... Et que je refasse tout le tour. Ah ouais. Ah ben, on peut faire ça. Alors, attendez. On va y aller vite fait. Par contre, je suis presque mort. J'avais pas fait gaffe. Et par contre, une fois que t'as des résonances craquées et tout... Alors attends, parce que c'était où l'histoire de la palette? Ah putain, maintenant faut que je me souvienne où c'était aussi. Parce que je sais plus où elle était, moi, cette palette. C'était dans le truc à l'envers, c'est sûr. Ouais, mais alors où? Ça devait être là. De toute façon, c'est où là? Où là? C'est dans un truc assez haut, de toute façon. Ça devait être là. On va aller voir. Je sais pas. Ah oui, mais non, parce que si c'est là, j'ai pas d'autres accès. C'est ça qui m'inquiète. Alors, à moins que... Ouais, il va falloir jouer avec les trucs. Ouais, mais ça va être chiant. Que je revienne d'un côté, puis repartir de l'autre. Déjà, faut que je retrouve où c'est. Ouais, j'ai pas de temps à perdre avec vous, en fait. Ouais, c'est là. Et ça veut dire qu'il faut le mettre là. Bon, on est d'accord. Ah ouais, du coup, ça veut dire repartir. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. J'aurais dû apparaître et dû après avoir parlé à sa fille. À la fille à qui? Mais j'ai pas eu toutes les sœurs. Peut-être que j'ai... pas trop cherché. Donc ça. Donc faut que j'arrive à venir ici. Donc faut que je vienne là. Ouais, ok. Je
je vous ai lu, mais laissez-moi tranquille. Alors, tout ce que je veux, c'est aller à l'autre prix de Dieu. Non, mais enfin, même pas au prix de Dieu. Ok, donc là, maintenant, je peux monter. Si je suis au bon endroit. Ouais, c'est bien là. Ouais, c'est là. On va aller se remettre la tête à l'envers. Ça fait beaucoup de détours. J'espère que c'est un truc cool. Hein. Parce que ça fait quand même des sacrés détours. Après, j'ai peut-être pas fait le chemin le plus optimal. C'est là. C'est là. Alors, du coup, je me suis accroché à la plateforme, je sais pas trop comment. Hop. Allez, viens là. Donc là, maintenant, ça doit être bon. J'espère que c'est pas un truc de merde. Ça va, c'était un bon truc. Un baiser fervent, du coup, je vais pouvoir aller le donner. Mais du coup... On sera téléporté, c'est la merde. C'est la merde. Non, ça va. Ah, on fait des détours. Ah, remarquez, attendez, j'ai plus simple. J'ai plus simple. Oh, je l'avais oublié, ce pouvoir magique. Je vais retourner voir tous les vendeurs. Comme ça, on finit tranquille le live là-dessus. Je vais aller voir elle, les vendeurs. De toute façon, j'ai pas retrouvé de sœur depuis le début. Elle, j'ai rien. Hein. Non, j'ai rien. J'aime bien ça. Ça, c'est un bon power. Bon, le truc des prières, je sais pas trop, faudrait que j'en trouve un autre. Parce que je pourrais faire. Je vais aller voir le vendeur, donner un bisou. Et le vendeur, normalement, il a plus rien pour moi. Hein. Ok, il y a sa statue. Stylé. Lui, je dois pouvoir lui acheter les deux marques du martyr qu'il avait. Il y en a 6. Ah bah, j'en ai eu que 5. Alors, des graines de martyr. C'est cher les graines de martyr quand même. Tout va bien. Un jour, tu auras d'autres marchandises, on verra. Hop. Le compléter, ça, ça va, c'est pas le pire. Compléter le truc des. Téléporterait direct. C'est vrai qu'à chaque fois je me fais chier, j'ai oublié ça. Ah si, j'ai la cinquième machine à faire aussi. Ouais, ah bah ouais, donc on a des choses. Émet un son fantomatique à l'approche de couloirs cachés. Cool. Ouais, il me dit tout, c'est Maifel. El repugnante hedor era tan intenso ouais. Que parecía verse a la habitación de la muerte misma. Oh, muerte que... Ok, je pense que lui, si on lui parle de tout, tout le temps, au bout d'un moment, il nous donne un truc. Mais j'ai la flemme. Alors, je crois que j'ai le machin en deuil à faire. Ah non, je les ai finis, ça, les trucs en deuil. Retape des faveurs. Ah bah. Ah mais c'est ça que tu me disais. Je dois avoir un truc de plus au prix Dieu. Ah bah c'est ça alors. Je peux directement faire. Ah ouais, c'est vrai que c'était chiant de venir à chaque fois ici. Bon, allons faire un bisou au poteau. Et puis je crois que ça finira tranquille.
Et ça, faut que je l'équipe. Je sais pas combien j'en ai fait des bisous. Feligres colmado de fe y adoración. Oh, me dit pas comme d'habitude. Divinidad. Vuestro fervor ya rebosa. Podéis marchar recordando siempre que aquí, ante mi dulce bendición, du coup, on a dû ouvrir la porte. Todo mi amparo. Porte est verrouillée. Pour le DLC. Pour le DLC. D'accord, et il me manque plus qu'un seul objet là, le perle de Rosser. On a. Putain, j'ai pas été mauvais, je trouve. Je trouve que j'ai pas été mauvais. Une seule magie. Franchement, des machins, ils manquent pas des masses. 6, 7. 7 sur 35, ça va. J'ai presque tout complété. Oh, je me surprends moi-même, je vous avoue. Je vous avoue, je me suis surpris moi-même. Donc là, j'ai tout fait. Perle de Rosser, c'est fait. Et ben voilà. Et ben voilà. Ben, je crois qu'on a tout fait ce qu'on avait à faire. On a sûrement des trucs qu'on a ratés à droite et à gauche. Il y a lui qu'il faut que je lui ramène ses machins. Il m'en manque que deux. Et puis après, ça sera l'ascension vers le divin enfant. Et ben écoutez. Hop là. Voilà. Mais bon, je sens que c'est pas fini. En tous les cas, pour ceux qui sont en rediff, c'est terminé. A bientôt. Ciao, ciao. Pour la fin, donc, de Blasphemous. Enfin, ça y est, à mon avis, il en reste encore un petit peu. Bye bye.